Future. Salut tout le monde les amis, c'est Bamu95, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle aventure et une nouvelle vidéo sur Minecraft. Ça sera la dernière aventure que je réaliserai sur ce jeu, parce que ça commence déjà à faire un bon paquet de vidéos, n'empêche. Ça fait bientôt 3 ans que j'y joue, et puis il y a un moment, bon, on a fait le tour, je pense pas qu'ils rajouteront beaucoup de nouvelles choses. Voilà, donc on est en version 1.7.4, donc la dernière qui est sortie à ce jour. J'ai aucun mode pour le moment, mais j'aimerais bien... dès qu'ils sortiront, mettre les modes forge et shader. Donc j'ai déjà créé la map, hein, parce que je voulais quand même avoir une map assez jolie. D'ailleurs, vous pourrez noter la musique derrière dans les menus, que je trouve juste magnifique. Franchement, j'aime bien, ils ont rajouté plein de musique et depuis cette mise à jour 1.7 et qui colle parfaitement à l'ambiance Minecraft. Et ça fait du bien, un petit peu du renouveau. Donc moi, ça fait déjà un certain temps que j'ai pas rejoué, enfin j'ai joué un petit peu dernièrement, mais ça fait quand même un certain temps. Et puis là, vu que j'ai eu mon nouveau PC, je tourne à 60 FPS constant avec Fraps, hein. De toute façon, c'est obligé de le limiter. Ça risque de lagoter un tout petit peu au début, parce que la map se génère, hein. Et que c'est Java, c'est pas du... enfin, c'est Java bug un petit peu quand même, hein. C'est pas la machine, après. Mais dès que les shaders sortent, je les mets en 1.7.4, même si je dois rester en cette version. Ça m'est égal du moment que... puisse jouer avec des graphismes vraiment impressionnants. Voilà, alors les objectifs de cette série, donc déjà on va jouer en normal, alors peut-être que j'augmenterai la difficulté et des fois peut-être que je passerai en peaceful pour construire tranquillement, mais ça va être une série illimitée en fait, il n'y aura pas de fin vraiment. Ça sera pas dès que j'ai tué l'Under Dragon on arrête l'aventure, non, ce sera même pas l'objectif principal l'Under Dragon, ce sera vraiment de se faire une base tranquillement. Ici d'ailleurs, au spawn, parce que comme vous pouvez le voir, c'est vraiment une map magnifique. Alors ça n'a pas fini de charger, et puis on a beaucoup de biomes à côté qui sont vraiment sympas. On a un peu de tout. Là-bas, on a un biome forêt, on a un biome. On a un biome plaine qui commence ici, qui se prolonge là-bas. On a un biome désert, on a des biomes des montagnes avec de la neige, c'est très joli. Tout autour, on a un biome taïga derrière. On a un biome jungle pas trop loin. Et derrière le désert, il est pas trop long, il y a un biome savane. Donc bon, c'est vraiment vraiment sympa. On va commencer tout de suite à récolter un petit peu de graines, parce que la nourriture va se faire rare. Et enfin, se faire rare, on se comprend. Puis ça m'aidera un petit peu pour ratiboiser. Enfin, mettre au même niveau toute la terre. Je sais plus comment on dit. Terraformer, voilà. Pour terraformer un petit peu tout le bazar. Alors je vais juste baisser un tout petit peu le son dans mon casque, parce que en fait ça me fait bugger quand j'entends du son extérieur. pour moi, faut qu'il y ait aucun son, sinon je bug. Voilà, ça va un petit peu mieux. Donc voilà, alors, après on fera une base assez impressionnante avec des enclos. On essaiera d'automatiser un petit peu tout ça à la manière du let's play mécanique de Hypierre. Mais niveau redstone, je suis pas très doué. Donc oh, j'avais pas vu qu'il y avait de la lave au fond. Oh, ça rajoute un petit peu de... c'est pas mal, tiens, c'est encore mieux. En tout cas, la map est vraiment très jolie. J'ai pris un petit peu de temps à la trouver. Si vous voulez le seed, hop, le voilà. Et voilà. Donc, ça sera un let's play illimité. Grosso modo, c'est ça le deal. Je fais cette aventure, elle se termine jamais. Je fais des épisodes quand j'en ai envie. Si ça me saoule pendant quelques... jour, quelques semaines, j'arrête pendant quelques semaines et je reprends quand j'en ai envie. Les objectifs, se construire une grande base et avec des choses, essayer d'automatiser au maximum sa map. De découvrir aussi les facettes du jeu que je n'ai pas encore découvert, parce que même après 3 ans, au niveau de la redstone, je dois avouer que j'ai pas beaucoup appris. Je connais quelques bases, je connais les bases, mais des choses que je n'ai jamais faites. Et puis bien sûr, au fur et à mesure des mises à jour, découvrir un petit peu tout ce qu'il y a de nouveau. En gros, ça sera comme ma map solo, mais que je fais en vidéo, parce que ça me plaît, puis j'ai envie de partager ça avec vous, tout simplement. Voilà, un petit peu pour au niveau de l'aventure. Alors j'espère que ça vous plaira. Moi en tout cas, ça me donne vraiment envie, et surtout que ça fait très longtemps que j'ai pas joué à Minecraft. Enfin très longtemps,
Ouais, ça doit faire 3-4 mois que j'ai pas joué, hein. Enfin, un petit peu plus. Voilà. Alors, on va se creuser un petit abri. Alors, je sais pas où c'est qu'on pourrait aller. On va aller vers là-bas parce que c'est pas très très joli. Enfin, c'est l'endroit le moins joli d'ailleurs. Il y a des blocs volants, faudrait que je les retire. J'ai vu également au fond, alors j'ai été en créative avant, mais là j'ai mis la map en survival, je l'ai recréé en survival pour repartir de zéro. Et j'ai vu qu'il y avait des îles volantes là-bas, c'était assez rigolo. Il y avait 3-4 qui étaient côte à côte, alors c'est pas des trucs gigantesques, mais c'est marrant, on peut le noter quand même, c'est assez rigolo effectivement. Là ça me paraît pas mal pour se faire un petit abri de base. Oh, ça a l'air vraiment joli. Je crois que j'ai eu beaucoup beaucoup de chance. Hop, d'ailleurs, les petits succès. Alors, il bug un peu dans cette version, j'ai remarqué. Parce que je les ai déjà débloqués 50 fois, mais non, bah, il continue de se débloquer. Donc, bon. Après tout, si le jeu veut faire qu'à sa tête, mais il en fait qu'à sa tête. Hein. Voilà. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir jouer à 60 FPS constant. Et à la base aussi, il devait y avoir, avant cette série, une dernière, enfin, une avant-dernière série sur Minecraft. Pour Noël, j'avais prévu de faire un petit calendrier de l'Avent de Noël tout simplement, avec une vidéo par jour sur 15 minutes sur une map enneigée totalement. Mais je me suis dit, il y a déjà Monsieur Elvilla qui avait fait ça l'année dernière, je crois. Donc je me suis dit, je vais pas refaire pareil. Celle-là, ça serait complètement, enfin, ce serait exactement pareil. J'ai pas envie de faire exactement pareil. Donc bon, bah j'ai décidé d'attendre mon nouveau PC qui allait arriver très très vite par la suite. Et tout simplement de vous faire une dernière aventure assez... Enfin, oui, une bonne dernière aventure comme on les aime tout simplement. Voilà. Alors j'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à donner des petites idées pour la maison. Alors la maison, je sais comment je vais la faire. Ça sera un petit peu une maison style moderne, alors avec de la... Alors après, faudrait que je trouve un biome Mesa. Vous savez, c'est le biome avec l'argile, la terre cuite. Et il faudrait que je trouve un de ces biomes. Sinon, j'irai récolter à la main de la clay, enfin de l'argile, pour faire une maison en argile, tout simplement. Vous savez qu'on peut les colorer maintenant. Je trouve que ça donne un pattern assez moderne et j'aime bien. Surtout que maintenant, dans cette version, il y a les fenêtres. Les fenêtres de différentes couleurs. Donc bon. Ça rajoute un petit peu de déco et c'est vraiment sympa. Ok. Donc pour miner, bon, on va pas créer une mine optimisée, on va faire ça un petit peu. Bon, à l'arrache pour commencer. Ouais, on va prendre le charbon qui est ici. Puis on va. Si on prend sur une petite caverne, ce serait pas trop. Pas de refus non plus. J'ai encore un petit peu de temps. De toute façon, on minera pendant cette nuit. Hein, parce que bon, la nuit, il n'y a pas grand chose à faire. À part récupérer du fer. C'est nul. Hop, pour récupérer un petit peu de charbon histoire de d'être éclairé durant toute la nuit. On va essayer de pas tuer toute la faune. Parce que bah, pour faire des enclos et même des machines à manger plus tard. Alors je ferai sûrement des agricultures style automatisé en appuyant sur un bouton. Pam! Alors les machines, je vais essayer bien sûr de les trouver toutes seules. Je vais pas forcément m'aider de vidéos. Mais s'il faut, bah, si j'ai besoin vraiment, si j'ai envie de. Voilà, une machine assez performante, bah, j'irai regarder sur internet, sur YouTube, tout simplement pour trouver une machine qui me permettrait de faire ce que j'ai envie de faire. Pourquoi pas. Sinon, niveau objectif secondaire, bah. On verra ça de toute façon au fur et à mesure des épisodes, mais oui, ça sera généralement. Bah, ça viendra en fait au fur et à mesure des épisodes. Je sais même pas pourquoi j'ai commencé à parler de ça parce que bah, je sais même pas où c'est que je voulais en venir. En tout cas, ça me fait plaisir de jouer en maximum et sans le mode Optifine. Là, je suis sur mode hein, Minecraft et de base. C'est pas mal de savoir qu'il y a des fleurs ici. Parce que bah, oui, il y a pas mal de fleurs. On va essayer aussi de faire un peu de déco. Enfin, oui, on va faire de la déco. Hein. J'en ai toujours fait dans mes vidéos. Donc, on va essayer de faire un minimum de déco. On va essayer aussi de pas faire. Enfin, avant de faire quelque chose, je vais essayer aussi de faire attention. Par exemple, si je dois construire une maison, je vais essayer de faire attention que qu'il n'y ait pas d'espace inutile. Rappelez-vous, dans la dernière aventure, c'était. Enfin, dans Mine World,
La base virale VPS a été mise à jour. Non, ça me fait chier ça. Pardon. Oui, rappelez-vous dans. Comment elle s'appelait? Oui, Mine World. J'avais fait une maison et je l'avais même pas comblée. Enfin, j'avais fait vraiment un. Trop. J'avais fait trop grand et. Pour rien. Voilà. Donc alors, on va peut-être. Ah non, mais. Ah oui, d'accord. Il fait déjà bientôt nuit. Ah, bravo, Moreille. On commencera par l'agriculture. Alors, on va essayer de. Pourquoi pas? Parce que ça va être en souterrain en fait, tout ce qui va être base. Alors beaucoup vont me dire peut-être que je plagie, enfin que je copie un peu sur. Donc je plagie pas, plagie, j'ai déjà fait un débat là-dessus dans une prochaine vidéo qui arrivera après celle-là, normalement. Si tout ce que j'ai fait est bien coordonné. Sur le deuxième épisode de Road Truck. Mais genre, vous verrez tout simplement, quelqu'un m'avait dit que j'avais plagié Galax, mais. Enfin bref, vous verrez. Tac tac tac. Oui, donc bah je vais essayer de. Bah on va faire une base, enfin. Tout ce qui sera base, je le ferai en souterrain. Et j'espère que vous comprendrez, mais en même temps je vais pas faire des usines toutes moches en surface. C'est normal que ce soit un petit peu caché. Enfin ça dépend lesquelles, si elles sont jolies, j'ai de la place autour. Pourquoi pas, mais bon. Franchement, généralement, je vais pas forcément faire ça comme ça. On va faire un double coffre. Ça serait bien que je trouve un petit peu de fer, on va chercher ça pendant la nuit là. Hop, on va descendre. Alors, je vais utiliser ma pioche en bois pour changer. De fer. Je vous fais une petite coupure en attendant le matin et je vous reprendrai comme ça. Alors oui, par contre, ça va être une aventure. Il va pas forcément. Ça va pas forcément être continu. En gros, entre chaque épisode, je pourrais peut-être faire certaines choses. Enfin en off, quoi. Faire des choses en off, finir des usines, etc. Et je ne construirai pas tout avec vous parce que ce serait un peu trop long. Et à chaque fois, ça vous ennuierait, je pense. C'est du charbon. Donc, bah, je couperai les épisodes. Enfin, je ferai des ellipses entre chaque construction ou même pour passer la nuit. Là, je vais juste chercher un petit peu de fer avec vous deux. Je vais le faire cuire et j'irai chercher de la laine. On ira chercher de la laine au lendemain. Voilà, la nouvelle journée. Par contre, j'espère que ça va. Je vais en avoir assez vite. Bon, normalement, le fer, c'est pas ce qu'il y a de plus rare. Voilà, en tout cas, la map est vraiment sympa. Je vous ai mis le seed. À la limite, des fois, vous pourrez me demander de la mettre en téléchargement. Je la mettrai sur Mediafire ou Mega. Vous me demandez, hop, je la mets, pas de soucis. Mais bon, pour l'instant, il n'y a rien. Donc, ça sert à. Enfin. Oui, il n'y a vraiment rien. Donc, je vois pas l'utilité de la mettre. Allez, un petit peu de fer. D'ailleurs, là, attendez, juste regardez. Ah oui, Extreme Hill, ils sont peu tombés sur de l'émeraude. C'est bon à savoir. Oui, parce que du coup, dans le coin, je vais pouvoir avoir de l'émeraude. On va essayer de faire un truc. Une map assez jolie, vous voyez. On va essayer de. Ah bah tiens, du fer. De faire des choses assez design. Peut-être de l'architecture. Oh. Et à la limite, de temps en temps, je vous ferai peut-être des timelapses. On va mettre un peu de lumière. Des timelapses, ça pourrait être sympa, vous savez. Je vais sur un autre ordi de ma maison, je construis sur l'autre ordi de ma maison et je vous filme à partir de celui-là. Vas-y, ça peut être pas mal, c'est des choses sur lesquelles je peux réfléchir et vous sortir ça au début d'épisode ou à la fin, ça dépend. Et ouais, ça peut être sympa, je pense. Hop, on va faire cuire notre fer. Et je vous dis à tout de suite les amis. Les amis, alors c'est bon, la nuit est à peu près passé, malheureusement il pleut et j'ai des mauvaises surprises. Alors c'est pas l'araignée qui me fait peur en soi, les squelettes un petit peu plus, mais c'est celui qui est caché juste derrière ici. Montre-toi. On fait un run. Allez, tranquille, hop, voilà. Voilà pourquoi j'avais un petit peu peur. Me faire attaquer par tout le monde. J'ai entendu de la lave se faire éteindre, c'est chelou. Par contre, je risque de me faire enchaîner. J'aurais dû peut-être rester, chez moi. Enfin, chez moi. Hop là. Yeah, ninja. En tout cas, à mon avis, ça va me plaire, cette petite aventure. Ça va un petit peu changer d'habitude. Alors oui, les zombies super titiés qui vous trouvent à 10 km, ça ne change pas. Ah oui, c'est parce que il y a de la pluie qui tombe sur la lave, du coup ça fait des psh. Ok.
Donc sinon au niveau de l'aventure, il faut... Oh, mais c'est pas possible, ils spawnent tous devant ma maison. Au niveau de l'aventure, donc ça sera... J'ai oublié ce que je voulais dire. J'allais dire un truc intéressant. Pourquoi il y a... Non, il y a vraiment un truc qui crame en haut. Ah oui, c'est les squelettes, d'accord. Par contre, j'ai plus beaucoup de vie. Et les squelettes sont super cheatés, j'avais oublié ça. Ils crament à moitié, en fait. Bon, bah, pourquoi pas. Ah, appuie, continue. Je crois que j'allais en s'enlever. Bon, allez, on va peut-être faire quelque chose. Alors, j'avais prévu de... Durant cette deuxième partie de vidéo... Ok, je peux plus sprinter, super. Ça fait pas du tout flipper. J'avais prévu pendant cette deuxième partie de vidéo, tout simplement, de... Enfin, pas très simplement, mais bon... De faire de l'agriculture, parce que, bah, vous voyez que j'ai faim. Mais avant, je tue quand même une vache. C'est vache, hein, n'empêche. Hein. Ok, t'es facile et nul. Hop, j'en ai tué deux, d'ailleurs. Et il m'a pas donné de steak. Ah si, ah bah si. La grosse vache, forcément, elle donne de la viande. On va en tuer une dernière. Voilà. Ok. De toute façon, si on meurt, on meurt à côté, hein, vous me direz. C'est pas comme si c'était un truc de grave, de ouf. Alors, oui, non, on pouvait pas l'entendre d'ici, la lave est un petit peu loin quand même. Je trouve. Alors, j'avais prévu aussi, oui, voilà. Alors, comment va se dérouler la maison? J'ai réfléchi en attendant que la nuit passe. Je vais construire la maison au centre, normal, hein, ça vous paraissait peut-être logique quand je vous ai dit que j'allais construire la maison entre ces montagnes. Je vais la construire au centre et ce que je vais faire, quelque chose de très très bien. Tout autour de la maison, tout autour, je vais faire des champs de blé et on va commencer par ça. Et au centre de ces champs de blé, il va y avoir ma maison. Donc qui va être protégée grâce à ces champs de blé et ces barrières qui vont être là. Du coup ça va être bien éclairé parce qu'il faut que ça pousse aussi la nuit. Et attention, c'est pas fini. Grâce à ce je vais être protégé et j'ai créé un petit pont qui ira vers le désert parce que la sortie ce sera vers le désert. Vous me demandez pas pourquoi, j'ai pensé que ça c'était le mieux. Voilà. Voilà à peu près pour tout ce que j'avais à dire. D'ailleurs, pendant que je réfléchissais, je pensais que les montagnes étaient un petit peu plus hautes. J'ai mal calculé ma tête. Allez, c'est parti, on va commencer un petit peu à... Alors, on va pas terraformer vraiment, on va faire un petit... On va même pas faire d'enclos, vous voyez, pour commencer. On va mettre de la nourriture à l'arrache. Il y a de l'eau à côté. On va juste faire beaucoup de graines. Ça va être là, attendez, on est hauteur combien? 72. Bah, c'est nickel, mon frère. 72, non, c'est pas mal, 72, c'est bien. C'est un beau chiffre. Ok, en plus c'est bien, il y a de... Ok, voilà. Hop, donc on va planter. Bon, comme ça on aura un petit peu de nourriture illimitée. Parce que là c'est vrai que c'est un petit peu la dèche, je trouve. Puis on va essayer aussi de mettre tout à la même hauteur. Alors oui, j'ai un os, tiens. On va déjà commencer par... Fail. D'accord, très bien. Ok, d'accord, non mais très bien, ok. Alors bah du coup on va aller faire cuire notre nourriture, d'accord. Et puis on va finir par aller couper du bois. Ah oui non, avant il va falloir que je creuse tout ça. Ah mais j'ai trouvé pour les timelapses, voilà, il suffit de faire des... pour trouver des idées. Alors j'ai trouvé en fait, vu que j'ai deux PC maintenant, je vais brancher ces deux PC et je vais tout simplement construire avec mon autre PC. Et filmer avec celui-là, mon... Ou alors je fais l'inverse aussi. Pour que ce soit plus agréable à jouer. Non, mais c'est pas mal du coup d'avoir deux PC. C'est plus facile. Il va falloir juste que je trouve où c'est que je peux le caler, le PC. Pour que ce soit pas trop dégueulasse. Par contre, le creeper, j'ai peur qu'il soit allé ici. Peut-être qu'il a des spawns aussi. Hein. C'est complètement possible, voyez-vous. Donc voilà, bah dites-moi si ça vous plaît, en tout cas cette aventure, si le concept vous plaît. Bon, c'est une aventure toute basique, mais qui... Bah, qui est pas basique, voilà. Alors je sais pas pourquoi ici ça ramote un peu, je sais pas, c'est peut-être les flammes, là. Je sais pas. En tout cas, j'ai faim, on va manger. Très très bon, la barre de faim descend très très vite, j'ai remarqué. C'est étrange, je sais pas si c'est pas normal, mais c'est pas normal. Attendez, on va se faire un petit bout d'armure, on a du cuir. Tac. D'ailleurs, je sais pas si vous aviez vu mon skin. Voilà. Alors, beaucoup de personnes me disent que j'ai recopié son étau. Alors, non, pas du tout.
Le skin, je l'ai créé de A à Z. Enfin, je l'ai pas créé de A à Z, mais j'ai été piocher plusieurs skins. Le jean, c'était un de mes anciens skins. J'ai repris son jean. Le costume, j'ai pris ça d'un Slender, je crois. Donc, vous voyez, ça a rien à voir. Oui, je crois que c'est un Slender. Et le visage, j'ai pris ça de Steve, simplement. Voilà. Un Steve amélioré. Voilà, donc c'est pour vous dire, vraiment rien de. Tout est. C'est moi qui l'ai fait. Parce que j'ai déjà eu des personnes qui m'ont. Enfin, des amis qui m'ont dit, ah, ton skin, on dirait celui de Netto. Mais non, pas du tout. Pas du tout. Donc, attendez, on va se faire une hache. J'ai oublié de la faire. On va se la faire en fer. On va se faire une épée en fer également. Parce que j'ai plus de bâtonnets de poisson, alors. Pas le faire. Enfin si, j'ai dû faire, donc ça va le faire, mais... Oh là là, ta gueule. Le mec, il se taille tout seul. Enfin, je ne taille pas n'importe quoi, hein. Je suis pas pédaille. Pardon. Wow, j'enchaîne les blagues de merde, hein. Faut m'excuser, je suis comme ça. Pourquoi il n'y a pas d'herbe ici? Ah! Ah, oh, c'est beaucoup mieux. Oh, ça fait mal aux yeux, même. En tout cas, ça fait du bien aux oreilles. 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 Ok, on arrête. Voilà. Ça serait bien aussi que je me fasse. Alors, apparemment sous terre, ça. Enfin, d'après ce que j'avais pu remarquer, sous terre c'est pas terrible. Mais pourquoi pas faire un bois, vous savez, un espace où on plante des arbres à la limite, que ce soit du bouleau, on met plein de types d'arbres. Peut-être dans la savane, pourquoi pas. Enfin, de toute façon, on va faire aussi. Alors, un des objectifs qui sera voilà, donc dans cette montagne ou sous terre. À mon avis, ça sera sous terre. Ou ouais, peut-être à la surface, hein. Peut-être ça peut être sympa aussi. Faire un métro en fait, enfin un train, une gare. Voilà, dans la montagne, on va faire la gare qui va distribuer à plusieurs endroits pour plusieurs usines. S'il faut que j'éloigne des trucs, notamment cette forêt, ou une forêt de. Comment ça s'appelle? Une forêt de. Je sais pas. Attendez, j'ai un trou de mémoire. Une forêt de... On fait une forêt pour la d'exploitation, une forêt d'exploitation, voilà. On fait pousser des arbres pour les couper après, c'est pas pour leur faire joli. Voilà. J'ai trouvé, je crois. Donc, oui. Bah mince, j'étais à côté du bois, mais comme un idiot. Ouais, d'ailleurs, attendez. Ah oui. Je bug, excusez-moi. Oui, il fallait que je délimite. Alors, attendez. Le centre, c'est où? Bon, on n'est pas obligé de faire spécialement au centre-centre, mais bon, on va partir du principe, c'est ici. Hop là, c'est au centre. Ouais, à peu près au centre. Ça me paraît bien, donc on va se laisser une zone. Ouais, quand même. Attendez. Tac, 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 tac. Ouais, on va se laisser au moins 20 blocs. Enfin, peut-être pas 20 blocs, mais on va se laisser une dizaine de blocs autour de ce bloc central. Allez, 11 blocs autour de ce bloc central. On va faire ça en carré. C'est Minecraft. Donc on va aller couper du bois. Et pour commencer. Ah, j'aurais dû. Galère un peu, excusez-moi, il est tard, il est 21h49 exactement. J'ai commencé la vidéo il y a une demi-heure, donc hop, on va faire une petite table de craft. On va la poser ici. On va faire une pelle en ferraille, même si ça sert à rien. On va compter 11 blocs. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 morailles. On va compter aussi 11 blocs de ce côté-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Simplement, on va pas chercher plus loin. Tac. Oh, par contre, il va faire nuit déjà. Et j'ai même pas été chercher de laine. Ah, bah tant pis. De toute façon, je pense que je vais vous laisser pour. On va juste finir de faire les trucs là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Puis dans le prochain épisode, ça sera directement. Tout sera directement rativoisé. Comme ça. Pas de soucis, m'oreille. 1, 2. Ok. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais, dans le prochain épisode, tout sera directement rativoisé. Enfin, toute la zone. À la hauteur 72. Comme ça, on va pas se prendre la tête. Donc voilà, bah moi j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous donne rendez-vous au second épisode et puis aux prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne.
Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin pour ceux qui l'ont fait, parce que je sais qu'il y a des petits malins qui mettent des commentaires très bonnes vidéos mais qui regardent pas jusqu'à la fin. Je vois les statistiques, ne vous inquiétez pas les amis. Enfin bref, merci à tout cas à ceux qui... merci, voilà, simplement. Allez, à plus.